Lundi dernier, sur Instagram, Maria Zoulaï a fait sensation en postant une photo qui a largement fait réagir sa communauté. Sur le cliché en question, la compagne de Paul Pogba affiche son baby bump. Paul Pogba est un papa heureux. En couple avec Maria Zoulaï depuis 2017, le footballeur de 29 ans s'apprête à accueillir un nouveau bébé dans la famille. En effet, sa compagne est enceinte de leur troisième enfant. Lundi 16 janvier, sur sa page Instagram, elle a posté une photo de son baby bump. Assise sur un canapé, elle regarde tendrement son ventre dans une tenue rose bonbon. En légende, elle a simplement posté le message suivant, battement de cœur. Dans le fil des commentaires, sa communauté n'a pas manqué de réagir. Du côté des personnalités, Mélanie Da Cruz s'est manifestée. L'ex-femme d'Anthony Martial a simplement posté plusieurs émojis, dont des cœurs. Une précédente photo avait éveillé les soupçons des internautes. Paul Pogba et Maria Zoulaï sont déjà les heureux parents de deux garçons, Nabil Shakur, né en janvier dernier 2019, et Kayan Zaïd, né en 2010. Le 6 janvier dernier, ils ont fêté l'anniversaire de leur aîné. Pour l'occasion, la jeune femme a posté une photo de famille où déjà, son ventre arrondi était apparent. Née en 1994, Maria Zoulaï est un mannequin d'origine bolivienne. Elle a étudié le droit des affaires en Bolivie. Mais elle a arrêté ses études pour partir direction la Floride où elle s'est installée à Miami. Sur place, elle est devenue agent immobilière avant d'embrasser une carrière dans le mannequinat. Depuis sa rencontre avec Paul Pogba, elle fit le parfait amour avec lui tout en restant discrète sur leur relation dans les médias. Le couple n'est pas marié. Paul Pogba récemment mêlé à une affaire d'extorsion présumée ces derniers mois. Paul Pogba a fait la une des médias pour une affaire d'extorsion présumée au cours de laquelle son frère Mathias Pogba a été mis en examen et incarcéré avec quatre autres hommes. Il est depuis sorti de prison. En novembre dernier, Yo Moriba, la mère de Paul Pogba, avait donné de ses nouvelles dans le portrait de la semaine d'Audrey Crespo Mara dans 7 à 8 sur TF1. Absent de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, Paul Pogba a récemment été critiqué pour ses vacances au ski. Il avait d'ailleurs répondu ironiquement à ses détracteurs. À lire aussi Paul Pogba critiqué pour ses vacances au ski, il répond ironiquement à ses détracteurs.